I have decided to bless them. I have decided to tell them, you will not repeat whatever that you have been doing, you will not repeat it second time. J'ai dit que je ne vous ai pas répété ce that is bringing you, that is bringing you tears. If you continue to be repeating, mais si tu continues à répéter, you have the right to lock the door. Shut the door. Ferme la porte. Begin to pray. Begin to ask God. You have said in your book. Tu as dit dans ta parole. That bring all the tithes into your hands. Apportez you will destroy the devourer for my sake. Lord, what is going on? Tu I have been passing through this problem. Tu par telle situation. I have been passing through this situation. Tu par I have been spending on it. Je and you said in your book. Et tu as dit dans ton livre. Bring all the tithes and offering it to my heart. Okay. I will destroy the devourer. Je vais détruire le devourer. Why repeat it? Pourquoi ça se répète cette situation? They have the right to ask me. Ils ont le droit de me poser cette question. Because everything shall pass away. Parce que toute chose passera. He said my word will never pass mais la away. Parole de Dieu ne passera pas. My word remains the same. Ma parole reste identique. He said many believers today. Il m'a dit beaucoup de croyants aujourd'hui. See them living the way they think that they're supposed to live. Continue à vivre la vie. Continue à vivre la vie. Tell them it's not from me. Dis-leur que ce n'est pas de moi. He said, where is my honor? Où est l'honneur? Where is my honor? Où est l'honneur qui m'est dû? He said, yeah, this is the destruction. Ça, c'est l'instruction. That I've given to people. Que j'ai donné au peuple. That I've given to my children. Que j'ai donné à mes enfants. That I will destroy the devourer for their sake. Que je vais détruire le devourer pour eux. And the nation will play. The nation will see them. Et la nation ne verra. The nation will see them. La nation diront qu'ils sont heureux. And will know that they are blessed. La nation saura qu'ils sont bénis. And we will call them the blessed ones. Et on les appellera bénis. Because à cause they have obeyed my word. Parce qu'ils ont obéi à ma parole. He said, look at. He said, look at my children. Regarde mes enfants. He said, tell them. Dis à mes enfants. Most of believers. Beaucoup de croyants aujourd'hui. They said they have their father. Disent qu'ils ont un père. He said, many believers. Beaucoup de they beaucoup have de no father. Non pas de père. Praise God. Alléluia. He sent me again. Il m'a envoyé. To the book of Matthew. Dans le livre de Matthieu. Matthew 5. Matthieu 5. Matthew 5. Matthieu 5. Matthew 5. Matthieu 5. 8. Matthieu 5, verset 8. Those are the instructions. Hallelujah. Yes. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Praise God. It's okay. Praise God. He said, blessed are those that be pure what in heart. Bénis soient ceux qui ont le cœur. They shall see me. Ils verront Dieu. He said, look at those instructions. Regarde ces instructions. When you are praying heart, you will see me. Tu me verras. You will see me. Tu me verras. I will talk to you. Je te parlerai. I will communicate with you. Je vais parler avec toi. You will be my father. You will be my son. And I will be your father. He said, blessed are those that pure in heart. He did bénis sont ceux qui sont pure. When you look at the Malachi. Quand on regarde Malachi. From 10. À partir du verset 10. You know what I'm talking about. Jésus parlait. For the nation. Pour la nation. See you blessed. Te vois béni. People in this earth. See you blessed. Les gens ont su cette tête vers that is why. C'est pour cela. You have to obey instruction. Tu dois obéir à l'instruction. But for you to see God now. Mais pour toi pour voir Dieu. You have to be pure. There are instructions for everything. Il y a des instructions pour toute chose. Praise God. He said there are instructions. Il y a des instructions pour toute chose. When I call you, quand je t'appelle, I give you an instruction. Je te donne des instructions. For you to be my daughter, pour toi pour être ma fille, there are instructions. Il y a des instructions. He said blessed are those that pure in heart. Bénis sont ceux qui ont un cœur pur. He didn't say blessed are those that is praying tithe and offering that will see me. Il n'a pas dit bénis sont ceux qui paient leur offrande. He didn't say blessed are those that is praying they are building from their receiving. Il n'a pas dit bénis sont ceux qui pleurent. He said blessed are those that
pure in heart. Et des bénissons ceux qui ont un cœur pur. They will see me. Ils me verront. He said, but for you to be blessed in this earth. Mais pour toi, pour être béni dans cette earth. He said, for the nation to see you as a child of God. Pour que la nation te voit comme un for the unbeliever around you to call you here, this is a child of God. Et pour que les croyants tout le temps. He said, bring all the tithes and offering into my house. Apporte les dîmes et offrandes. For the nation to see you blessed. Pour que la nation te voit béni. He said, for you now. Pour toi. To see me, to communicate with me, your heart must be pure. Praise God. He said, most of my children, are they obeying my word? Obéis-tu à ma parole? That is why I sent me to Malachi. C'est pourquoi il m'a envoyé dans Malachi. 1:6. Malachi 1 verset 6. He said yes. Il dit oui. He said, did you honor me? Est-ce que tu m'honores? When you honor me, si tu m'honores, you obey my word. Tu obéis à ma parole. So that people will see you. Pour que le peuple te voit. People will see you. Pour que le peuple te voit. A blessed man. Un homme béni. A blessed woman. Une femme bénie. So that. Pour que. You will not be repeating the same thing. Tu ne répètes pas les choses. Because when as a believer. Parce que en tant que chrétien. When you are repeating the same situation. Quand tu répètes la même situation. All believers will come to you. Tous les croyants. They will be doubting your God. Ils seront en train de douter de toi. They will be asking, where is your God? Mais ils te poseront la question. Mais pour les unbelievers, for the unbeliever not to ask you, where is your God? Because the unbelievers, they believe in material things. Parce que les non-croyants croient en des choses matérielles. They believe in the physical things. Ils croient des choses physiques. That is why he said. C'est pourquoi. He said, bring all the tithes and offering. Apportez à ma maison. He said, the nation will see you blessed. Pour que les nations te voient. Bring that even the unbelievers around you. Ça veut dire que même les non-croyants. Praise God. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hallelujah. Why am I telling this? Pourquoi je dis cela? Why am I telling you today? Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Many believers. Beaucoup de croyants aujourd'hui. Many believers. Beaucoup de croyants aujourd'hui. The Lord is telling us. Le Seigneur nous dit. He said most of them they have no father. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de père. Jesus Christ himself. Jésus Christ lui-même. Is crying every day. Crie tous les jours. See a believer. Voyant les croyants. Crying and searching for wanting for years. Criant et cherchant en pleurant. Crying and tearing for years. Criant depuis des années. He said, tell them. Dis-leur. I am not the cause. Je ne suis pas. He said, many of them are living. Beaucoup de personnes vivent. Vagabond life. Vivent de vagabondage. Without no father. Sans père. Without no father. Sans père. Praise God. Louange à Dieu. Praise God. Louange à Dieu. I was asking God. Je demandais à Dieu. I said, really? Réellement? He said, yes. Il m'a dit oui. He said, tell them. Dis-leur. Anyone. Toute personne. That wants to be blessed. Qui veut être béni. That wants to be blessed. Qui veut être béni. He must obey my word. Tu vas obéir à mes commandements. There are instructions for everything. Il y a des instructions pour toutes choses. Hallelujah. 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 I say people don't like to hear this message. Il dit, les gens n'ont pas entendu ce message. He said, if I give you a message. Si je donne un message. He said, tell them. Dis-leur. He said, my people is coming to join you very soon. Mon peuple vient de joindre à toi. He said, when I give you a message. Quand je donne un message. He said, tell them. Dis à mon peuple. Don't look at faces. Ne regarde pas au visage. I am your God. Je suis ton Dieu. I am your God. Je suis ton Dieu. He sent me for a vision. Il m'a donné une vision. Il m'a envoyé une vision. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hallelujah. He sent me to my father. Il m'a envoyé une vision. He said, do you know your father? Il m'a envoyé une vision de mon père. I said, yes. Il m'a dit, est-ce que tu connais ton père? I said, my father has died. Oui, je dis, oui, mon père est mort. Do you know the meaning of devourer? Est-ce que vous connaissez la définition de dévoreur? I said, no. J'ai dit, non. He said, when the devil. Il m'a dit, quand le diable. When the devil. Quand le diable. Wanted. Veut. To bring in devourer into your life. Envoyer le devourer dans ta vie. Because you have paid the price. Parce que tu as payé le prix. I stopped it. J'ai arrêté cela. I said, no, I don't understand God. Mais j'ai dit à Dieu, mais j'ai pas compris. He sent me to a day. Il m'a envoyé encore. When my father gave up. Comme mon père mourait. Yeah, when my father gave up. I was crying. J'étais en train de pleurer. I was tearing. Je
prière la chose là. I said, God. Je père. My father just arrived in hospital. Mon père vient juste d'arriver à l'hôpital. He didn't stay 1 week, 2 weeks. Il n'avait pas resté 1 semaine, 2 semaines. He just back. Il est mort ici. Not even 1 month. Même pas 1 mois. Not even 2 months. Même pas 2 mois. I was crying. Je criais. I heard the voice of God. J'ai entendu la voix de Dieu. I said, he said yes. Oui. I am the one that taken. Je suis celui qui l'a pris. Because I decided. Parce que j'ai décidé. For him to go. Pour lui de partir. Imagine if he was in the hospital. Imagine qu'il était à l'hôpital. 1 month, 2 months, 3 months. 1 mois, 2 mois, 3 mois. You love your father so much. Tu aimes trop ton père. You can even put money in the bank. Tu peux même aller pour prendre. I'll be paying bills. Et puis, and I know that he's not going to live anymore. Et bien, je sais qu'il va continuer à vivre. You have paid your price. Tu as payé le prix. I said, God, I don't understand. Et dit à Dieu, j'ai pas compris. Tell me the price that I've paid. Dis-moi le prix que j'ai payé. It took me to when I just get back to my daughter. Il m'a envoyé quand je viens juste de donner. When God is revealing you a revelation, quand je peux donner une révélation, it will look like a screen. Ce sera comme un écran. It will look like you are looking at telly. C'est comme si tu regardais une histoire. It took me to when my daughter was a little, at least 6, 4, 7 months. Il m'envoie vers la période où ma fille avait 7 ans. He said, you know that you was with an association. Mais qu'est-ce que tu étais dans l'association? The assistant social commander was taking care of you. L'assistant social qui prenait soin de toi. Do you know that there was a day? Est-ce que tu savais qu'il y a un jour? Then they don't give the money. I'm talking about 14 years ago. Je parlais il y a 14 ans de cela. Sometimes they don't give money in our association. Des fois, on ne te donne pas de l'argent dans they la give 4 euros 50 cents in the tickets. Ils te donnent des tickets de 4 euros 50. Sometimes they will give you 4 in a week. Des fois, ils te donnent 4 euros dans une semaine. Sometimes they will give you 4 in a week, 4 tickets in a week. Des fois, ils te donnent 4 tickets de 4 euros 50 dans la semaine. That 4 tickets. Mais ces 4 tickets. You are not working, you are not testing money. Tu ne travailles pas, tu n'as aucune source de revenus. I love God so much. J'aime beaucoup Dieu. I love God. J'aime beaucoup Dieu. I will take the 4 tickets. J'avais pris les 4 tickets. I will go to Carrefour. Et j'allais à Carrefour. I will be looking for people. Et je recherchais des personnes. Now I will give the 4 tickets. À qui je vais donner les 4 so that they can give me money. Pour qu'ils me donnent de l'argent. For me to pay my offering and bring the fund of prayer. Pour moi de payer mes offrandes. When Jesus Christ give me the give me open me the screen. Mais quand Jésus m'a ouvert mes yeux, I begin to cry. J'ai commencé à crier. He said, I didn't look at the time when he started his big salary. J'ai pas regardé, tu n'as pas regardé, j'ai pas regardé autant que tu avais. You have paid the price you have for me. Et puis comme tu avais déjà fait le simple petit revenu. For the little 4 euros 50 ticket that you were holding. Avec les 4 euros 50 pour le que tu donnais chaque semaine. He said, you have paid the price. Tu as payé le prix. I begin to cry. J'ai commencé à pleurer. I begin to cry. J'ai commencé à pleurer. I was telling myself. Et je me disais. I said, God. Oh Dieu. When I started to receive it, quand j'ai commencé à recevoir plus de 1 000 euros. When I started receiving lots of money. Quand j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent. When I was to pay my at least paying differences in your church. Et quand j'ai commencé à payer beaucoup. You didn't take me to that area. Beaucoup de choses dans ton église. Why did you take me to 4 euros 50 cents in a ticket? Pourquoi tu m'envoies seulement dans les tickets de 4 euros 50 cents? Give me 4 in a week. Pour 4 tickets de 4 euros 50 par semaine. He said, I am the God that changes not. Il m'a dit, je suis le Dieu qui change toutes choses. He said, tell my children. Il dit, dis à mes enfants, they honor me with their mouths. Ils m'honorent seulement de leur lèvre. He said, most of believers today. Et beaucoup de croyants aujourd'hui. They are crying, where is my father? Il crie, où est mon père? Où est mon père? He said, I have decided to destroy the devourer for them. J'ai décidé de détruire le dévoreur. I have decided. J'ai décidé. I said, God. Il dit, oh Dieu. What are we going to do? Qu'allons-nous faire? He said, tell them. Dealer. He said, but they will not listen. Mais ils ne m'écouteront pas. He said, they will not hear. Ils vont pas entendre. He said, but release my message. Mais on relâche mon message. Release my message. Relâche mon message. He said, there is instruction for everything. Il y a des instructions pour toutes choses. He said, for them to see me now. Pour eux de me voir maintenant. For them to communicate with me now. Pour eux de communiquer avec moi. They must be holy. Ils doivent être saints. They must be what holy. Ils doivent marcher dans la sainteté. Praise God. Alléluia. He sent me against the book of Hebrew. Envoyé dans le livre d'Hébreux. 6:10. Hébreux 10, chapitre 10. 6:10. Hébreux chapitre 6, verset 10. 6:10.
Praise God. Hebrew system. Hebrew system. Hallelujah. Yes. Which ye have shown towards his name. In that ye have ministered to the saints. Praise God. The Lord is telling us here. Le Seigneur nous dit ici. He said, for God is not unrighteous to forget your work. Car Dieu n'est pas juste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. He said, I have not forgotten. Alléluia. J'ai pas oublié, dit le Seigneur. Whatever that you are doing in my toilet, I have not forgotten. Dis que tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas oublié, n'est pas en placard. If I'm taking you to a revelation, si je t'envoie dans une révélation, I want to tell you for the least you want, your neighbor has not forgotten. Pour le peu de travail que tu as fait, ton Dieu n'a pas oublié. Whatever that you are doing in the house of God, Jesus is telling us here that your neighbor is not forgotten. Pour quel que soit le travail que tu as fait, Jésus te dit là qu'il n'a jamais oublié le travail. So he says, stand right with him. Alors tiens-toi debout devant lui avec ça. He says, stand right with him. You must stand right with God. Tu as tenu debout. For the presence of God to manifest in your life. Pour que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie. He says, ask them. Il dit, demande-leur. Are they honoring me with their lifestyle? Est-ce qu'ils m'honorent avec leur vie? Are they honoring me with the way they are living? Est-ce qu'ils m'honorent avec leur style de vie, la manière dont ils vivent? He said, where is my honor? Le Seigneur dit, où est l'honneur qui m'est dû? Where is my fear? Où est la crainte qui m'est due? Where is my fear? Où est la crainte qui m'est due? He's asking us. Oh, il nous dit. He's asking us. Il nous dit, Seigneur. Even love, that love is no more there. Mon amour n'est plus là. He said, the love is no more there that I was speaking about. L'amour dont je parlais n'est plus présent. Even in church. Même au sein de l'église. He said, my daughter, tell them. Oh, dis à mes enfants. Dis à ma fille. Dis à mon peuple. He said, tell them. Dis à mon peuple. There are instructions for everything. Il y a des instructions pour toutes choses. When God calls you, He will call you and will give you an instruction. Quand Dieu t'appelle, il te donne des instructions. So that the unbeliever will see the God that you are serving. Pour que les non-croyants sachent connaître le Dieu que tu so fais. That the people in your life will know that you are no ordinary person. Pour que les gens sachent que tu n'es pas une personne ordinaire. Even in the territory that you are living, they will know that you are no ordinary person. Ils sauront que tu n'es pas un ordinaire. Praise God. Alléluia. Let me give you another testimony again of my life. Laissez-moi vous donner encore un témoignage de ma vie. When I came to this country, I was a Sierra Leonean. Quand je suis venu dans ce pays. When the Lord explained to me, said my daughter. Quand le Seigneur m'a dit, ma fille, tu dois laisser ta nationalité. You have renewed 10 years, second 10 years in the country. Tu as fait plusieurs années. I said, God, how am I going to do this? Mais je dis au Seigneur, comment vais-je faire? Can I go and take a lawyer? Est-ce que je dois prendre un avocat? He said, no. I said, how? Mais j'ai dit, comment? Second 10 years? How? Deuxième année encore. I said, I need to take a lawyer. Mais je dois prendre un avocat. He said, you have paid for a lawyer for me years ago. Le Seigneur m'a dit, tu as déjà payé, tu as déjà payé. Your money pour... is not for that. Tu as déjà payé depuis des années. Ton argent n'est pas pour un avocat. You have been a blessing in my home. Tu as été sous de bénédiction dans ma maison. Tu as été béni dans ma maison. You have been a blessing. Blessed woman in my house. Tu as été béni dans ma maison. Tu as été sous de bénédiction dans ma maison. So you know that you don't joke with the things of God. Vous savez, on ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. I said, how? J'ai demandé à Dieu comment. How can I do this? Comment vais-je faire? He said, you must renounce it. Mais dis-tu dois renoncer. I walked to the prophet. Je suis allé à la préfecture. I met a woman. J'ai rencontré une femme. I said, I want to change my nationality. Je veux changer ma nationalité. He said, anything? I said, no, I want to change my nationality. Je veux changer ma nationalité à la préfecture. He said, can I see your card? Elle m'a dit, est-ce que je peux voir ta carte? I give her my card. Je lui ai donné ma carte. He said, don't take this one. The second 10 years. Il dit que c'est la deuxième fois que vous avez une carte de 10 ans. He said, hula. He wants to go and call the responsible. Elle est partie aller appeler le responsable. He called me the responsible of the
the section. Il a appelé le responsable du service. The woman was asking me. Et la responsable posait des questions. Why do you want to renounce your nationality? Pourquoi voulez-vous renoncer à votre nationalité? I said this is my real nationality, and I'm from Nigeria. Et je dis que ça c'était ma nationalité du Nigeria. And you just decided to just renounce it like that. Et vous avez décidé de renoncer à votre nationalité. I said maybe it's the time that Jesus Christ wants it. This is the time that Jesus Christ wants it. Et j'ai répondu à cette femme, c'est le temps où Jésus-Christ. That is why I'm here. C'est pour cela que je suis là. He said really? Il a dit vraiment? He said okay. Il dit ok. You have to go to your Nigeria embassy. Ok. Elle dit la responsable dit tu vas aller à. If Nigeria people attack you, they will still accept you. Elle a répondu, elle dit, si l'ambassade du Nigeria vous accepte, I went to the Nigerian embassy. Je suis allé à l'ambassade du Nigeria. I processed my passport. Et j'ai redonné mes passeports et tout ça. 1 month interval, I come back to the prefecture. Un mois d'intervalle, je reviens à la préfecture. The woman said, really, you want to be in Nigeria? I say, yes, this is my country. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Hallelujah. He collected the passport. Voulez-vous vraiment renoncer à votre nationalité? Say, madame. Elle dit oui. La France est mon pays. We will give you another card. Elle dit en espace de 3 semaines, on vous donne un autre card. They didn't collect my former card. They took me everything. Ils ont pris tout ce qu'il fallait. Just 3 weeks time. 3 mois, 3 semaines, on espère. After 3 weeks. Après 3 semaines. I went to the prophet. Je vais à la préfecture. They said, madame, on a déjà fabriqué ton card. Madame a déjà fabriqué ta carte. Only God can do that. Alléluia. Praise God. Alléluia. Only God can do that. Without no lawyer. Sans avocat. Why? Pourquoi? Because I have paid my lawyer for a long time. Pourquoi? Parce que j'ai payé mon avocat. Depuis longtemps. I didn't pay to the real lawyer. J'ai pas payé un avocat. But I paid the money to Jesus. Mais j'ai payé le prix à Jésus. J'ai payé l'avocat qui est Jésus. Praise God. Alléluia. So if I see the believer crying at tears, et quand je vois aujourd'hui les chrétiens pleurer à chaud de larmes criant, I will be asking God what is going on. Je demande au Seigneur qu'est-ce qui se passe. If God stands for you, no one can stand against your life. Si Dieu est pour toi, personne ne peut te lire contre toi. When God be for you, nobody can be against you. Quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. We are in the time of supermarketing Christians. Nous sommes malheureusement dans un temps de chrétiens supermarché. So we tell what they want in the Bible to us, and we tell what they don't want in the Bible. Et vous êtes ce qu'ils veulent dans la Bible, vous êtes ce qu'ils veulent voir. Bible becomes the supermarket. La Bible devient un supermarché. Where we can buy, drink, and buy. Où on peut acheter ce qu'on veut, n'importe comment. Praise Master Jesus. Alléluia. The Lord is saying us today. Le Seigneur nous dit aujourd'hui. He said, tell them. Dis-leur. If they love me, si vraiment, they must honor me. Ils doivent m'honorer. If they love me, si même, their lifestyle must walk with my way. Leur style de vie doit marcher avec moi. Their lifestyle de vie must walk with my way. Doit marcher avec moi. Many people today. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous pensons that they are serving God. Qui servent Dieu. The way we are living now. And the way we are doing now, if we continue like this, my brothers and sisters, heaven will be empty. Heaven will be empty. If God can open anyone's eyes and see what is happening in the realm of the spirit, how people as a believer, the way they take the things of God, the way they are living, the way they are decided, praise God. Hallelujah. They don't even want to be going to church anymore. They don't want to listen to the word of God anymore. They don't want to do the things of God anymore. So painful in the sight of God. C'est dommage dans ces temps de la fin. Il sait oui, they continue doing like this. Mais s'ils continuent à agir ainsi, il sait heaven will be empty. Non, le ciel sera vide. Heaven will be empty. Le ciel sera vide. Il sait tell them. Il sait dire à mon peuple. Il sait tell them. Dire à mon peuple. Many people are not coming to my way. Beaucoup de personnes ne viennent pas. Because of their lifestyle.
cause de leur vie, de leur vie. Because how they take me. De la manière dont ils me prennent. How they look at me. De la manière dont ils me regardent. I know that there are lots of distractions all over the world. Je sais qu'il y a beaucoup de distractions partout sur le monde. There are lots of distractions. Il y a beaucoup de distractions. There are lots of distractions. Il y a beaucoup de distractions. There are lots of errors. Il y a beaucoup d'erreurs. There are lots of things that is not of me. Il y a beaucoup de choses qui viennent. That is distracting the children. Qui distrait. He said that is what I said. Pourquoi je dis? He said that is what I said. Pourquoi je dis? Test of spirit. Éprouvez les esprits. If they are from me. S'ils viennent de moi. He said tell the preacher also. Dis au prédicateur aussi. Any preacher that are not preaching about my coming. Any preacher that are not telling the people about the coming of Christ Jesus. Jésus. He said tell them they are a monster. Dis-leur qu'ils sont des monstres. They are the monster. Ils sont des monstres. They are not helping my children. Ils n'aident pas les enfants de Dieu. Any preacher that are not telling my children the truth. Un prédicateur qui dit pas la vérité. He said, why are they running after preaching and preaching that we have seen it? Mais pourquoi que font-ils ainsi? He said, because they didn't obey my word. They are not obeying my word. Parce qu'ils obéissent plus à la. They are not obeying my word. Ils obéissent plus à la parole. The first people we know here is that they are not obeying this. What are they going to do? Que vont-ils faire? They will distract them. Ils vont les détruire. This is the hero. Ça, c'est of this end time. C'est temps de la fin. He said, tell them. Il dit, dis-leur. When a time of perilous time. Dans cet temps. A time of perilous. Very dangerous time. Very, very dangerous. Ce temps dangereux. When you see in the realm of the spirit. Quand on voit dans le règne de l'esprit. It will look like a fire. C'est comme un feu. It will look like a wind. C'est comme un vent. It will look like a breeze. Comme un breeze. Hallelujah. In the realm of the spirit. You will not know what God is going to use any moment from now. Mais vous connaissez plus ce que Dieu veut faire. C'est certain. Dis-leur. They should come to me. Ils viennent à moi. Praise Master Jesus. Louange au Maître Jésus. Praise Master Jesus. He said, honor me. Le Seigneur dit de l'honorer. Honor me. Honore ton Dieu. Honor me. Honore ton Père. He said, be perfect. Sois parfait. Therefore, as your heavenly Father is perfect. Dis, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 4, verset 14. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. As your Father is perfect. If you are not perfect like him. Si tu n'es pas parfait comme ton Père, ça veut dire que tu ne le verras pas. Ça veut dire que tu ne le verras pas. If we are living the way we are living now, si on vit la vie dont nous venons aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne verra pas Dieu. Praise God. Praise Master Jesus. When you look at the book of Luke 46, mais quand on regarde le livre de Luc, let us look at the book of Luke. The book of Luke. Le livre de Luc, l'évangile de Luc. Yes. Luc 4, 46. Luc 4, verset 46. Il dit, and what are you there, please? God bless you. Is vous y êtes? Yes. Yeah. Yes. 46. Yes. No, Luke 6, 46. Yes. Pardon. Luke 6, 46. Luke 6, 46. Hallelujah. 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 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Praise God. Moi j'adore. C'est tell them that the time of the pastor generation. Nous sommes vraiment dans une génération perverse. Believers without no father. Les croyants sans père. Believers without no father. Les croyants sans père. Very painful. C'est douloureux. Very, very painful. Vraiment douloureux. C'est tell them. Seigneur, dis un peu. When the Holy Spirit was telling me. Le Saint-Esprit me parlait. Il s'est dit, daughter,
Ma fille. Ma fille. He said, yes, you pray. Oui, tu pries. You pray for people. Oui, tu pries pour les gens. You intercede for people that you don't even know. Tu intercèdes pour les gens que tu connais. You cry out for them. Tu cries pour la vie. I am their father. Je suis le père. If I'm their father, si je suis le père, then we all know me. Ils vont nous voir. He said, yes, then we all know me. You intercede for people. Tu intercèdes pour les âmes. You intercede for people. Il est qui déconnomie? Mais est-ce qu'il m'honore? The way they are living. La vie qu'il mène. The way they are living. La vie qu'il mène. That is what he said. C'est pourquoi il dit. He said, if you love me, si tu m'aimes, you do what I say. Dis, fais ce que je te dis. You do what I say. Fais ce que je te dis. You must be perfect. Tu dois être parfait. You must be perfect. Tu dois être parfait. You must take away sickness. Tu dois enlever. You must take away bitterness. Tu dois enlever le toi. You must take away everything that is not of God. Enlever le toi la tristesse. That is not for the voice of your father. Because I'm not your father. I will take it away. I will destroy it. And I will build it as my son or daughter. Mais je suis ton père. Je vais agir pour toi. Je vais te bâtir en tant que fille. Praise God. Alléluia. This is the secret. I wanted to pray one night. C'est un secret. Je voulais prier une nuit. I asked God. Et j'ai demandé à Dieu. I said I want to pray for certain people. Je veux prier pour certaines personnes. When I said I want to pray for certain people. Donc quand j'ai dit que je veux prier pour certaines personnes. He sent me to a revelation. M'a envoyé dans une révélation. He showed me a screen. Il m'a montré l'écran. He said those are the people you want to pray for, daughter. Il m'a dit, c'est ce peuple-là que tu veux voir. Said, those are the people that you want to pray for. Ce sont ces personnes pour qui tu veux prier. You want to pray to me. Tu veux prier à moi. You want to intercede for them. Tu veux intercéder pour eux. You want to cry out for them. Tu veux prier pour eux. He opened the screen for me. Il m'a montré l'écran. He said, look at the people you want to intercede for. Regarde ce peuple, les gens pour qui tu veux intercéder. I begin to cry out for mercy. J'ai commencé à crier pour mercy. I begin to cry out for mercy. Miséricorde. I begin to cry out for mercy. J'ai commencé à crier, demander miséricorde. Brothers and sisters. Oh, frères et sœurs. Whatever that you are doing. Quelque chose que tu fais. For God. Pour Dieu. Take it serious. Prends-le sérieusement. Make God your first person. Mets Dieu à la première place. And put God in your life first. Mets Dieu à la première place, le premier mois dans ta vie. Because the trumpet will soon sound. Parce que la trumpet va sonner très très vite. He said the trumpet will soon sound. La trumpet va sonner très très bientôt. He said most of believers didn't believe. Il dit beaucoup de croyants ne croient pas vraiment. That is why they are still remaining the way they are. Ils continuent à rester dans la même vie, de la même manière où ils sont. For you to see God now. Mais pour toi, pour you must be pure in heart. Your lifestyle must have at least attached to him. Ta vie doit s'attacher à Jésus. Your image must look like him. Tu dois ressembler à l'image de Jésus. Your image must look like him. Ton image doit être celle de ton Dieu. You must work like him. Tu dois travailler comme lui. You must talk like him. Tu dois parler comme lui. For you to be your father. Pour lui qu'il soit. You will not take some and leave some. You will not take some and leave some. Tu ne dois pas prendre certaines choses et laisser d'autres. God bless you all. Amen. God bless you all. Amen. And if there is any question that you want to ask, si vous avez une question que vous voulez poser, concerning this teaching, au sujet de ce message, before we pray, avant qu'on commence à prier, we should not look around us. On va regarder.